pouvez pas. Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre ? Et le roi démon ? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir de brèche par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à battre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie.
Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qu'il retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. Alors si j'ai bien compris ma mission, je dois me battre à tes côtés. Oh. Waouh ! Mais c'est une super nouvelle, ça ! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir ! Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Eh ben, pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte. Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ta main, donne-la-moi. Voici ma promesse. Babil, sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon, rentrons vite au village, raconter tout ça à mes parents.
Mm-hmm.